L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu. On commence tout de suite par les prévisions météo. Des pluies et encore un petit peu de vent. Fini donc les belles éclaircies de l'après-midi. Vous voyez sur ce radar des pluies, le ciel reste dégagé. Mais très vite, les nuages et les pluies reprendront le dessus. Et d'ailleurs, Météo France a placé les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance jaune aux orages pour ce soir 20h. Côté température, elle reste douce avec 5 degrés attendus dans la soirée. Le point complet juste après ce flash info avec Clotilde Le Guévac. Dans cette édition, jeudi, Auchan a annoncé la création de 300 emplois en 2017 et un investissement d'€1,3 milliard sur 3 ans. La nouvelle est venue du président d'Auchan Retail France, Patrick Espassa, ce jeudi matin. Modernisation des magasins, fin des enseignes affiliées comme Simply Market ou Adepa au profit d'une seule et unique marque Auchan. Cependant, quelques pertes sont à prévoir dans les services d'appui, soit 462 postes. Mais son président se veut rassurant, que l'on voit ici sur ces images. L'entreprise prend l'engagement de trouver une solution personnelle pour chaque collaborateur dans son bassin de vie. Il s'agira en fait de mutualiser ses services à Villeneuve-d'Ascq, le site historique qui va d'ailleurs être rénové à hauteur de 20 millions d'euros. Ce vendredi matin, la CFDT a montré l'incohérence du projet. Le syndicat estime cette annonce mensongère car le groupe perd de l'argent et des clients mais cherche à embaucher. Et pour preuve, selon la CFDT, le chiffre d'affaires d'Auchan Retail France ne correspond qu'à un tiers de ce qu'il était il y a 10 ans. Xavier Silly rencontrait un délégué syndical de la CFDT. On écoute sa réaction. On est très dubitatif entre les équations qui nous sont données, qui ne tiennent pas, entre vouloir tripler un résultat net sur 4 ans et en même temps, alors qu'on perd plutôt du chiffre et des clients, annoncer une embauche aussi importante, ça nous paraît un peu bizarre. Et on aimerait quand même avoir une vision globale pour faire une analyse complète du dossier. Et effectivement, on a l'impression que le tout est bien emballé dans des belles annonces, mais qu'à la fin du fin, quand on aura fait le bilan global, qu'on n'ait pas forcément une création d'emplois, mais plutôt, et ça paraît assez logique, des emplois à pourvoir en moins sur un périmètre équivalent. Et du nouveau dans la délivrance des cartes d'identité. À compter du 14 mars prochain, les procédures pour l'obtenir changent, et avec quelques nouveautés, notamment pour faciliter son acquisition. Vous devrez désormais vous rendre dans une mairie équipée de dispositifs de recueil. Dans le Nord, sachez qu'il en existe plus de 110, mais toutes les mairies n'en sont pas équipées. Renseignez-vous donc au préalable pour savoir si la vôtre en dispose. Autre nouveauté, et pas des moindres, l'empreinte digitale du propriétaire figurera sur la carte d'identité. En cas de perte ou d'expiration, vous pourrez avoir un renouvellement et un duplicata rapidement, et simplement avec votre empreinte. Une procédure qui devrait permettre de réduire le temps de traitement des dossiers, passant de 15 jours à moins d'une semaine. Tout se passe par internet à l'adresse prêtdemande-cni.ants.gouv.fr. Les préfectures, sous-préfectures et certaines mairies auront également des espaces numériques pour ceux n'ayant pas internet. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Ça diminue la fraude parce que on crée un lien entre les empreintes digitales et le titre. Et par ailleurs, un certain nombre de dispositifs permettent aussi d'éviter cette fraude, notamment la numérisation par un logiciel particulier, la numérisation des extraits d'actes de naissance, puisque désormais, les administrés n'auront plus à prendre contact avec leur commune de naissance pour récupérer cet acte. Ce sera fait automatiquement par la préfecture, par le centre d'expertise et de ressources. En bref, dans l'actualité, on en sait plus à propos du festival de musique de l'agglomération dunkerquoise les 24 et 25 juin prochains. Pour l'heure, son nom n'a pas encore filtré, mais les premiers artistes viennent d'être annoncés. Catherine Ringer, des Rita Mitsuko, Wax Taylor ou encore les Mexicains et virtuoses de la guitare Rodrigo et Gabriella. Côté électro, Uno et Petit Biscuit seront également de la partie. Puis sachez enfin que l'organisation a été confiée à l'association Les Nuits Secrètes, le festival de musique dans le
Benoît Aymeric se passe chaque année au mois de juillet. L'autre actualité de ce journal, c'est cette journée de rêve organisée par le GAEL, le groupement des acteurs économiques de Lille. Chaque année depuis 20 ans, le réseau organise une journée de rêve pour l'un de ses adhérents. Parmi les lots, Air France qui offre un vol au choix et dont la destination doit rester secrète, en plus des 6000 euros de cadeaux dans tous les commerces participants. Le réseau qui regroupe désormais près de 280 commerçants se veut médiatique, à l'image d'une initiation basket avec le LMBC en plein centre de Lille l'année dernière. Vincent Vieillard a rencontré le président du GAEL qui dresse le bilan économique de ces 20 dernières années. On écoute. On a eu des hauts et des bas dans le centre-ville de Lille, mais bon, la concurrence fait que ça crée de la progression et la concurrence est bonne, je trouve, toujours pour le commerce. L'avenir du GAEL, bah, c'est de continuer de progresser, de continuer à faire vivre le commerce, de continuer à communiquer aux chalands et aux touristes qu'il fait encore bon vivre à Lille et que le commerce est encore florissant. Et dans cette édition également, la 10e édition du Salon Art-Up à Lille Grand Palais. Et jusqu'à dimanche, la première foire d'art contemporain au nord de Paris réunit 103 galeristes, 77 Français, dont 19 de chez nous ici, des Hauts-de-France. Ce salon, c'est aussi chaque année des événements marquants à l'image de la performance de l'artiste lillois Quentin Carnaille, que l'on voit ici sur ces images. Une performance qui reflète le regard de l'artiste sur le monde et l'art contemporain. On l'écoute tout de suite et à présent au micro de Xavier Silly qui l'a rencontré. J'ai voulu faire une performance pour rentrer plus en dialogue avec le public. Les cubes étaient en miroir et en fait on avait quatre personnages qui se promenaient dans la foire et qui en fait avaient l'air d'être strictement identiques. Donc la performance s'appelle Anonymat et c'est une mise en garde sur le fait que tout le monde devienne un peu pareil avec une même pensée unique. Et donc l'idée de cette performance, c'est dans un premier temps de rendre compte de cela. Et en fait, l'issue de la performance, on révèle notre identité en enlevant le cube qu'on avait sur la tête et qu'on est venu poser sur un autre cube à l'intérieur qui représente en fait un élément clé de notre vie qui a changé un petit peu ou en tout cas orienté notre vie singulière. Et on termine avec une note de sport et du tennis avec la 26e édition de l'Open du Nord au Tennis Club Lille Métropole. Jusqu'à dimanche, les meilleurs espoirs français et internationaux s'affrontent en simple et en double. Un tournoi à tremplin pour les joueurs professionnels, puisqu'en cas de victoire, les points comptent au classement mondial. Une porte ouverte pour disputer les grands tournois internationaux, voire même les grands chelems. Et puis enfin, sachez que depuis 1991, l'Open du Nord a révélé plusieurs tennismen comme Tsonga ou encore le favori de cette année, le Belge Yannick Mertens, 240e mondial et qu'il a déjà remporté deux fois. Allez, fin de cette édition, tout de suite. La météo et le trafic. Et belle fin de soirée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.